les buter pour faire la rigole au milieu pour mieux les arroser. Voilà. Après les haricots qu'on a passé. Un mois et demi à peu près, 5-6 semaines. On va commencer déjà à voir les haricots rames qui commencent à s'entortiller autour des cannes. Alors, on attaque. On attaque par là, par le milieu. Voilà. Et on pousse la terre contre les haricots. Voilà. De l'autre côté, des deux côtés de la. Des deux côtés. C'est par là que tu vas les arroser alors. Alors voilà, après je vais les arroser. Je vais les arroser au milieu là. Après s'il y en a un ou deux qui montent pas dans la canne, ben, il faut un petit peu les aider. Hein, avec on prend les pointes comme ça et puis on essaie de. Je vais tricoter un petit peu là, voilà, pour les enrouler, vous voyez celle-là. Maintenant, ben, on refait l'autre côté. On refait l'autre côté, donc on repousse la terre contre. Vous voyez, ça vous fait une très belle rigole. Et c'est là où c'est qu'après on va arroser, bien entendu, abondamment. Ouais, c'est des langues de feu, ouais. Assez productifs. Et on peut les manger, soit frais, soit on peut attendre un petit peu qu'ils soient bien, bien gros dans le feu. Puis on peut faire des soupes au pistou, de préférence, quoi. Ça, c'est des haricots qui vont venir au mois de septembre. Voilà, alors donc là, j'ai buté mes haricots. Je vais les arroser. Alors en les arrosant au milieu, ça permet de garder, parce que les haricots ils vont monter, et ils vont monter au fil des cannes, et ça va faire une fraîcheur en dessous, et donc il y aura moins d'évaporation, et on n'a pas besoin de gaspiller beaucoup d'eau pour les arroser tout le temps, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on prend le tuyau, vous voyez, on le fait courir comme ça, pratiquement jusqu'au bout de l'arrêt. Maintenant, si vous voulez, on peut passer. J'ai des petits haricots qui sont nains. Oui. On peut. D'accord. Et bien voilà, donc on va buter les haricots nains. Ils vont venir peut-être légèrement plus haut, donc ils vont venir à peu près à cette hauteur. Voilà, c'est tout. C'est le contraire des rames. Les rames, ça monte à 2 mètres, 2 mètres 50. Voilà. Alors bon, ben on fait, vous voyez, on fait le pont entre les haricots. Et puis bon, avec une petite sapette, hein, vous voyez, on prend et on met les. Oh, et on bute les haricots. Alors, un coup d'un côté et un coup de l'autre. Hein. Voilà, on bute les haricots. Là, c'est quelle qualité d'haricots là? Les mange tout, ouais, c'est des sans fil.